Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur ? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Comment accéder au bureau du directeur ? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. Réveillon. Réveillon. Voilà. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrok en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrok. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement.
Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable ! D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scrop, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement, et j'ai pile ce qu'il vous faut, du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler ? Et sa préparation prend très longtemps, non ? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black ? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez ? C'est incroyable ! Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va ? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit ? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Olar. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Auriez-vous un moment, professeur ? Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et je... Eh bien, je... Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai. Allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Je suis très occupé. Ah, laissez-moi tranquille. Que peut bien vouloir le directeur ? Ah ! Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir... Professeur Black, comment allez-vous, monsieur ? Professeur, je pourrais vous parler ? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule ?
Je... Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe ? Du parchemin ? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un directeur ? Bien le bonjour. Je veux dire, du vent, les jeunes. Professeur, je pourrais vous parler, s'il vous plaît ? Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur ? Est-ce bien raisonnable ? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. J'en ai bien conscience, et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi ? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail ? Laissez plus de latitude au professeur Fig ? Je ne comprends jamais ce que... Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Travaille aussi dur que les... Votre attention, chef... Scrope ! Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrope de ne le dire à personne, pas même au maître. Et maintenant, je te demande de me le dire. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrope vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. C'est toujours pur, n'est-ce pas ? Presque, maître. Scrope pense que le maître met Scrope à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrope est plus que lamentable. Très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scrope. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmar et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia ! Quelle surprise, maître ! Qu'est-ce que Scrope doit faire de ce trésor ? De ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scrope. C'est ton trésor. Maintenant, disparais. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards.
J'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. La gargouille. C'est à elle que je dois donner le mot de passe. Toujours pur. Revelio. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Revelio. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant ? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. J'imagine que je ne vais pas simplement lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché sous le nez du directeur ?
Revelio. Ce doit être le piédestal. Où suis-je? Professeur Fitzgerald? Vous m'entendez? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Le premier qu'il vous faut est une cape. Dans ce lieu, comme dans la vie, la mort prend des formes multiples. Évitez chacune d'elles à tout prix. Faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Je dois y aller au bon moment. Je vois. Il y a un escalier droit devant. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut.
Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Ça a l'air dangereux par ici. Je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. C'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté. C'est le moment ou jamais. C'est par ici. Je crois bien que je suis invisible. Ils ne peuvent pas me voir.
Je peux me rapprocher. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Repulso! Descendo! Defendo! Bombarda! Findo, bombarda! Findo, bombarda! Bombarda. Defendo. Bombarda. Defendo. Repulso. Defendo. Repulso. Defendo. Repulso. Bombarda.
Au milieu de ces êtres endeuillés, les apparences sont trompeuses. Elle nous a quittés. Cette chère Niam, honorons à jamais. Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis.
Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Souvenez-vous-en, tandis que vous contemplez mes souvenirs. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père. Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Que faites-vous ? Oh, inspirez ! Le sentez-vous ? Oh, Isidora ! Ceci doit cesser. Maintenant ! Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Vraiment ? Quelqu'un aurait terminé les trois premières épreuves ? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune ? Je sais. Vous devez être le professeur Bakar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses ? Tout à fait. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment ? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Bakar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père.
sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts ? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrok fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms ? Les gardiens et... qui d'autre ? Isidora Morganac ? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrok. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. J'ai reçu ton hibou. Merci. Je suis content de te voir. J'ai repéré des fidèles de Ranrok qui arrivaient de la côte. J'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'ils se dirigeaient vers une autre grotte, semblable à celle qu'on a trouvée. Comment se fait-il qu'ils aient une longueur d'avance sur nous ? Ils ne peuvent pas connaître l'existence du triptyque. Je ne sais pas. J'ai vu un autre souvenir. Cette fois, il s'agissait d'une gardienne nommée Niam Fitzgerald. Elle semblait contrariée par la façon dont Isidora utilisait la magie ancienne. Mais je ne sais pas encore si tout cela a un rapport avec Ranrok. Ces gardiens se moquent tout bonnement de toi. Tu dois leur tirer les vers du nez. Ça ne marche pas comme ça. Pour accéder à ces souvenirs, je dois réussir une épreuve. C'est pas aussi facile que tu le penses. Ils me montrent les souvenirs dans un ordre particulier. Ils... Oh. Soit ils ne te font pas confiance, soit tu ne te soucies pas assez d'Anne pour poser les bonnes questions. Bien sûr que je me soucie d'Anne, Sébastien. Ne laisse pas ta frustration prendre le dessus. On y est presque. Bon, pour l'instant, je vais m'en remettre à tes amis les gardiens. Mais ça ne me plaît pas du tout. On n'a pas le choix. Bon, essayons de comprendre pourquoi le triptyque nous a menés ici. Allons-y vite, avant de nous faire repérer. Fais attention. J'ai vu des larbins de Ranrok s'éloigner du chemin, juste devant nous. Je me demande pourquoi. Pour piller, j'imagine. Cette montagne abritait les objets de valeur des hameaux du coin. Mais elle a été abandonnée quand Ranrok s'est emparé de la côte. Incendio! Oh, Ringo! Kifindo! Confringo! Tu es doué. Mais je le suis encore plus. Incendio! Faible! Humain! Expelliarmus! Pitoyable! Pitoyable! Bref! Confringo! Expelliarmus! Kifindo! Incendio! Expelliarmus! Des sombrales devant. On dit que c'est un mauvais présage. Tout le monde ne le pense pas. Je le sais bien. D'accord. Je préfère faire la paix. Pas garder cette montagne en silence. Tuez tous les intrus. Attends, nous devons d'abord trouver un plan. J'en ai assez des plans. Confringo! Presque! Vite! Tu es là! Approchez-vous!
Isildur. Je vais venger ta mort. L'intrus. Kofringo. Isildur. Tu ne vas pas comme ça. Kikindo. Ils ont eu ce qu'ils... Revelio. Qu'est-ce qui t'a pris? J'imaginais des gobelins morts. Ça aurait pu nous coûter la vie. Mais on a survécu. On dirait que les fidèles de Ranrok ont suivi ce chemin. Continuons d'avancer. La vengeance de Ranrok sera terrible. Tout ce qui est fait d'argent gobelin nous appartient. Qu'il s'agisse d'une épée ou d'un dépôt, ça nous revient. Tu as entendu ce gobelin? Ces notions de propriété sont ridicules. Incendio. Confringo. Je ne pas. Sorcier, c'est un sorcier mort. Radifundo. Et je compte bien l'aider à... Kofringo. Incendio. Kofringo. Kofringo. Incendio. C'est sur ma... Revelio. Sébastien, attends. Attendre? Pourquoi? Oh, pourquoi tant de prudence tout à coup? Écoute-moi, je sais que t'es en colère et que t'es contrarié. Mais en fonçant tête baissée, tu pourrais réduire à néant tous nos efforts. Lodgok a dit... Hein? Ton ami, le gobelin. Arrête, ça suffit. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrok. Je suis dans ton camp. Nous voulons la même chose, trouver des réponses. Je pensais qu'on voulait la même chose. Et c'est le cas. Écoute-moi. Lodgok a des informations sur Ranrok que nous n'avons pas. Il m'a dit que Ranrok était au courant de l'existence des gardiens et fouillait tous les endroits en lien avec eux. C'est pour ça qu'il semble toujours avoir une longueur d'avance. Je sais ce que je fais. Tu dois me faire confiance. Sans quoi, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Bon, bon. Je suis désolé. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus. Et ce n'est pas la première fois. Je te fais confiance. Et je ne pense pas pouvoir aider Anne sans toi. Bien. Ranrok en sait plus que nous le soupçonnions. Il faut faire attention, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et certainement pas foncer tête baissée. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de trouver la dernière pièce du triptyque. Je suis d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Charmant. Des araignées. Tout est normal. Incendio. Kofringo. Kofringo. Spediarmus. Incendio. Revelio.
presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Revelio. Confringo. Revelio. Ces araignées ont l'air bien décidées à nous dévorer. Ouais, c'est sûr du temps qu'une paire de gobelins. Confringo. Expelliarmus. Le pion Skifindo. Incendio. Confringo. Elles sont pénibles, ces petites bêtes, non? Pourquoi un escalier mènerait-il ici? Quel intérêt? À mon avis, personne n'est venu ici depuis une éternité. Confringo! Regarde un peu cet endroit. Ce n'est pas mon style. Un peu chargé, si tu veux m'en dire. Insecto. Confringo, Incendio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. 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 Incendio. Confringo. 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 Expelliarmus. Incendio. Confringo. Confringo. Traverser la grotte ne doit pas être la seule épreuve. Nous devrions peut-être chercher d'autres runes. Confringo. Est-ce que je trouve ces corps? J'ai déjà vu des symboles runiques similaires. Revelio. Revelio. Confringo. Action. Dépêchons-nous de sortir d'ici. Revelio. C'est
Sébastien, il y a un extrait de journal. Essayons d'en trouver d'autres. Elle aurait quand même pu garder tous ses textes au bon endroit. Rien de tel qu'un troll en colère pour souder une amitié. Incendio! Revelio! A vraiment mis le bazar. Il y a des débris partout. Réparo. Ce n'était pas ça. Je te le fais pas dire. Revelio. Pas atteindre ce rebord, même en sautant très haut. Tu as trouvé quelque chose ? Un extrait de journal. Isidora était ici. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Je suis à bout de souffle après toutes ces marches. Mais la vue, elle vaut vraiment le coup. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Ben, cet extrait de journal est assez inquiétant. Ça ne peut pas être un cul-de-sac. Il doit y Incendio. Avoir... Incendio. Revelio. Presque aussi bien que si je l'avais fait moi-même. Revelio.
Je ne peux pas croire que cet endroit n'ait appartenu qu'à Isidora. Mais le triptyque nous a menés jusqu'ici. Revelio. J'ai l'impression de parler couramment la langue runique maintenant. Repulso. Revelio. Revelio. Isidora a dû affûter son talent pour la magie ancienne ici. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Si seulement tu pouvais voir l'un de ces souvenirs. Les dernières toiles du triptyque. On a réussi. Isidora n'aurait pas dû avoir à garder tout ça secret. Je sais, grâce aux souvenirs que j'ai vus, que les gardiens et Isidora n'étaient pas d'accord sur l'utilisation de la magie ancienne. Mais je ne comprends pas pourquoi elle semble s'être donné tant de mal pour raconter son histoire sans qu'il le sache. Si seulement tu pouvais voir l'un de ses souvenirs. Oui, c'est sûr. Si on complète le triptyque, on y verra peut-être... Rebellion. Quand je pense aux aventures que ce triptyque nous aura fait vivre. Revelio. Nous y voilà. Ce suspense est insoutenable. Vas-y, place-la. Ah. Une autre pancine. C'est ça qu'on cherche depuis le début. Je me demande... Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va voir. Père, je ne pourrais pas ramener mon frère. Mais je peux vous offrir la paix. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'a
qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Merci. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Évidemment, c'est de l'argent gobelin. Il me faut quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. Ça m'aiderait si vous pouviez m'expliquer ce que vous voulez y mettre. De la magie. Des restes d'un sort que j'ai conçu contre la douleur. Mais, utilisé correctement, ce pouvoir pourrait aider encore davantage de gens. Pourquoi voudriez-vous contenir une telle magie ? J'ai besoin de la garder en sécurité le temps de persuader mes collègues de sa valeur. Un tel pouvoir peut être effrayant. Tout le monde n'est pas prêt à manier un tel pouvoir. Peut-être pas. Mais ça viendra un jour. Elle a supprimé la douleur. Je le savais. Je savais qu'il y avait un moyen d'aider Anne. Quelque chose cloche, Sébastien. Pourquoi ça ? Tu as bien vu ce qu'elle a fait ? Non, pas les souvenirs, c'est le portrait. Je crois que si Isidora ne s'est pas montrée, c'est qu'elle ne le peut pas. Je ne comprends pas. Nous avons déjà vu ça avant. La maison en ruine de Feldcroft, la peinture détruite, c'était elle. Bon, quelqu'un a détruit un petit bout de toile enchantée. Mais on a trouvé le souvenir. Oui. Oui, c'est vrai. On a vu ce qu'elle voulait qu'on voie. On a vu ce qu'elle pouvait faire. Ce que nous, on peut faire. Mais je n'ai aucune idée de comment elle s'y est prise. Alors il faut que tu la prennes. Les gardiens te l'enseigneront. Je doute qu'ils soient d'accord. Les gardiens pensent que retirer la sensation de douleur, c'est... C'est une magie complexe qui peut vite devenir imprévisible. Elle doit être maniée très prudemment. Ou pas du tout. Pas du tout ? Tu as surmonté chacun de leurs défis. Tu as largement fait tes preuves. Tu peux le faire. Tu en as la capacité. S'il te plaît, il faut que tu parles au gardien. Ne le fais pas pour moi. Fais-le pour Anne.